Good morning, bonjour, good afternoon, bonsoir à tout le monde. And thank you so much for joining us today for this webinar on making gender equality part of the discussion on managing the current debt crisis. My name is Erin Tansey. I am the director of the Sustainable Inclusive Economies Division at the IDRC here in Ottawa. And I'm speaking to you from Ottawa. And I'd like to just begin by acknowledging that the land on which our office is based is on the traditional unceded territory of the Anishinaabe, Algonquin Anishinaabe people. So a few housekeeping issues, although I'm aware most of you have heard these over and over before, but I'll just go through them, and I know some of them are already on the chat. So first of all, we have French and English interpretation available. So to listen in your preferred language, you just click the interpretation button, which is at the bottom of your screen, and then you select the language that you wish to listen. Alors, nous disposons des services d'interprétation en français et en anglais. Pour écouter ce webinaire dans la langue de votre choix, cliquez le bouton Interprétation en bas de votre écran. Sélectionnez ensuite la langue que vous souhaitez entendre. Number two. Please be aware that we are broadcasting this event live on our Facebook page. We're also recording it and we'll share it with you on YouTube and it will be on our website as well. So we invite you to ask questions to our panelists at any time during the event. So please use the Q&A button at the bottom of your screen to submit your questions. The panelists will answer these questions, hopefully if we've got enough time to squeeze them in, but that'll be after the main discussion. So we'll share the questions the panelists are answering in the chat box. And you're also free to use the chat box to communicate to the other participants that are listening in on this call. So without further ado, it's my pleasure to be the moderator of this event, which has a fantastic lineup of experts, expert speakers, and researchers and academics. So it's my pleasure to be hosting this jointly with PEP. PEP is the Nairobi-based global network partnership for economic policy. And I'd like to thank colleagues and friends there for organizing this event. We have a fantastic lineup of speakers with Jayati Ghosh, Diane Elson, Jane Mariara, and Andrew Hurst. And I'll introduce them later, but first, just a few remarks from my side on why we're here to begin with. So as you know, the COVID-19 crisis has had an... Je m'excuse. La pandémie du COVID-19 a eu un impact et ça a un impact différent sur différentes sections. L'impact économique dans les pays à bas revenus est très important et la crise a un impact qui varie selon le genre. Les femmes souffrent beaucoup et leur situation va de mal en pire. Je pense que nous avons tous vécu cela. Ça a été décrit dans certaines communications qui ont été faites par IDRC. Le monde est confronté à une crise de dette et cette crise n'a pas été très bien comprise et cela pourrait faire en sorte que les pays en voie de développement se trouvent dans des difficultés énormes. Mais la moitié des pays à bas revenus sont confrontés à des problèmes d'un endettement très élevé. Et les mesures qui ont été prises ne seront pas adéquates. Et voilà pourquoi nous nous penchons sur cette question. Il y a eu d'autres webinaires qui ont été organisés. Mardi, les pays sont confrontés à une crise triple, la crise de la pandémie, la dette, et l'impact du changement climatique. Alors, nous devons examiner ces crises. Le soutien international jouera un rôle clé et
nous avons un procès verbal de ce webinaire. Et donc, la question qui se pose pour ce webinaire, quel est l'impact sur les inégalités du genre, c'est-à-dire le recouvrement, la reprise économique, les mesures de reprise économique qui sont prises, quel est l'impact sur les inégalités du genre? Alors, nous allons tout d'abord entendre le discours liminaire. Jayati Ghosh, elle est professeure à l'École des sciences économiques à New Delhi. C'est là depuis 3 ans, mais en ce moment, elle est professeure de sciences économiques à l'Université de Massachusetts aux USA. Elle a participé à beaucoup d'événements internationaux. Merci beaucoup, Irène. Je suis très heureuse que l'EDRC puisse se pencher sur cette question. Je ne vais pas mettre l'accent sur la façon dont la crise affecte la dette. Je pense que connaissons tous cet impact. Ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est ce que nous pouvons faire en ce qui concerne l'allègement de la dette. Alors, si une des choses qu'il faudrait faire, c'est de voir ce qu'on a appris. Alors, nous observons que ces mesures sont mal orientées et la dette continue à augmenter. Cela conduit à une réduction très limitée. Cela ne permet pas de résoudre le problème. Donc, on n'arrive pas à alléger la dette. La question de la dette extérieure, il y a une liquidité temporaire et il y a très peu de réduction. Je pense que vous avez parlé de ces questions lors des autres séminaires, mais nous avons eu beaucoup moins de l'allègement de la dette. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des créditeurs privés. Il y a même les pays sous pression en ce qui concerne les créditeurs privés qui donnent aux agents privés. Donc, fondamentalement, ce que nous disons, c'est que nous ne devons pas adopter les mécanismes traditionnels. Il faudra faire preuve d'innovation pour pouvoir apporter une solution. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a les conditionnalités qui accompagnent ces mesures. Et avec le FMI, et il y a des compensations, etc. Nous avons trouvé que ces conditionnalités ont un impact plus important sur les femmes et déresponsabilisent les femmes. Il y a une étude qui a été faite pendant cette période de la pandémie. 76 pays sur 91 prêts de FMI ont été négociés. Et il y a des gèlements des salaires, il y a des rédactions, il y a des transferts de fonds et il y a également un impact sur les impôts qui affectent les pauvres d'une manière disproportionnée et ça a un impact plus important sur les femmes.
Alors, si nous nous penchons sur les façons dont ces phénomènes affectent la femme, je vais revenir sur cette question. Alors, il y a d'abord les femmes employées, les travailleurs immigrés, il y a les travailleurs non salariés, et il y a ceux qui s'occupent des tâches ménagères, et bien également ces femmes sont affectées par les restrictions qui sont imposées pendant cette période de la pandémie, et ça, il y a une violence accrue contre les femmes, et il y a également un impact sur la voie politique au sein de la communauté. Alors, je parle de la femme comme un salarié reconnu. Il est clair et beaucoup d'études indiquent que c'est là que les femmes ont des bons emplois. Et lorsqu'il y a pression sur le marché de l'emploi, ce sont elles qui perdent leur emploi. Et il y a des conditions de travail difficiles pour elles. Alors, les femmes ont perdu leur emploi pendant cette période, et il y a également une réduction plus importante sur leur rémunération. Une chose critique pendant cette période de la pandémie, les femmes sont sous payées et le travail qu'elles font n'est pas reconnu, n'est pas très bien rémunéré non plus. Toutes les femmes souffrent le plus de cette pandémie et les gouvernements n'ont pas réagi à cette situation en reconnaissant l'emploi des femmes. Il y a un impact qui provient de la pandémie et aussi bien de la technologie. Les sociétés adoptent des technologies à capital intensif, et ces femmes sont obligées alors de travailler dans des conditions très malsaines, mais elles sont obligées quand même de travailler. Nous trouvons que les femmes dans le secteur agricole, dans les micro-entreprises, sont confrontées à des difficultés beaucoup plus importantes pendant cette période. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà indiqué que les mesures qui ont été prises au passé ont contenu de la discrimination contre les femmes, et cela conduit à l'austérité fiscale. Donc, les gouvernements et les organisations dépendent de ce qui se passe au niveau du ménage, la dépense publique, mais aussi il y a aussi la question des aliments. Est-ce que le gouvernement donne des aliments au ménage? Il faudrait que l'on pense à l'équité et à la justice, mais il y a également des questions économiques qui se posent. Cela se pose et cela réduit la possibilité de sortir de la crise économique. Je voudrais souligner le fait que les solutions de la néo-génération, ils sont plutôt symboliques
symbolique, ce n'est pas qu'elle soit favorable à la femme. Je pense qu'il faudrait réexaminer tout cela, avoir un peu de... il ne faudrait pas qu'on soit satisfait d'avoir des programmes qui visent les femmes. On a des... quelque chose de symbolique et nous ne devons pas accepter cela. Donc, je dis qu'un principe de base, c'est de ne pas nuire à qui que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un certain nombre de choses. Tout d'abord, ce qu'il faut éviter, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner une annulation. Capacity substantially, not to reduce it further. And in general, it's wrong to impose fiscal austerity measures. It's better always to ensure counter-cyclicality. Developed countries have recognized this. They are going in for the biggest counter-cyclical packages we have ever seen, not just in my lifetime, but I would argue in the past century. Unfortunately, this is not an option that is made available to debtor countries, and I think that's unacceptable. But essentially, fiscal measures that explicitly or implicitly reduce spending on public provision of essential services and public wage bills, those should be absolutely not acceptable. So any fiscal cuts or spending limits that involve reducing public services, reducing public wage bills, should not be accepted in parts of these debt relief packages. Monetary policies also tend to be very pro-cyclical, and often rigid regulations on banking and on credit provision, they further worsen the position of micro-entrepreneurs, women borrowers, and microfinance institutions also. We've seen across the world significant stress on microfinance institutions, which then comes down to the lowest level and affects women in self-help groups and others particularly. Also, in terms of things to avoid, don't allow the prices of essential commodities to increase, especially through VAT. Unfortunately, I already mentioned this, across the world today, in the midst of the pandemic, VATs are being increased or fuel taxes are being increased in ways that directly impact the spending possibilities of poorer households and women in particular. This next point is repeating what I said earlier. Don't expect specific programs targeted to women or children to undo the damage that is created by broader economic policies, which are reducing employment and livelihoods. They will not undo that damage, and they should not be used as excuses to engage in those other broader policies. Also, I would argue that a lot of formalization policies don't actually benefit women workers because they are gender insensitive and sometimes actively working against the conditions that women workers face, informal women workers face. So I would say avoid the formalization policies that harm women, especially in self-employment. Of course, there are positive things that can be done. I don't want to be only negative. And I'm listing a few that are, I think, particularly important. Changing the structure of taxation by focusing on more progressive taxation. For example, equitable taxation of multinationals. There is a proposal for unitary taxation of multinationals, which we can talk about in the question answer if necessary. Taxes on extreme wealth, taxes on financial transaction. I think the Biden administration is already showing how these things can be done and how you can actually increase the highest rate of tax, marginal taxation on the extremely rich. Along with that, massively increase public spending on healthcare and education. The aim should be universal and affordable access to good quality public services with adequate employment, not understaffed and overworked public workers. Particularly women in all these public employment programs must receive proper wages and working conditions. We have too many women workers at the front lines classified as ancillary workers or volunteers who are not even paid minimum wages, not given all the basic protections of workers. It's very important now we have an incipient, and in fact, in some cases, an actual food crisis in about 120 countries. And it's very important to focus on universal access to food and nutrition. Because it's not just food supply constraints, it's livelihood losses coinciding with rising prices of food, which are affecting women and children and girl children in particular in many countries.
there is a strong case for public employment programs because we know that livelihood losses are so widespread and job losses are so widespread that it's critical to provide an alternative source of public employment. And the scope of such employment should be expanded to encompass services, not just include, you know, very hard manual labor, but all activities that improve the quality of life and more green activities that address environmental concerns. There are good examples of how this is being done in certain parts of the world, and these should really be multiplied, and these should be explicitly mentioned in the debt relief packages. In terms of banking regulation, you really have to think of internal debt relief as well. And so especially for the micro, small, and medium enterprises and for women-owned small enterprises who are often in informal credit arrangements, there have to be ways in which you ensure their continued access to credit and you ensure that that access is not so expensive as to wipe them out financially within the economy. Women entrepreneurs also have very, very specific needs. Everyone knows this about access to inputs and markets. These are typically ignored completely in all such packages. They're left to fend for themselves in a situation where all of these things are rationed further, and we know when there is rationing that the women get excluded. We also really have to emphasize the ability for women to associate, to unionize, both employed and self-employed women. And we really must encourage the formation of producer cooperatives, marketing cooperatives, and so on. All this is really part, I would say, of a broader vision, which is that I've called it a multicolored global New Deal rather than just green, because it is a New Deal in the old Roosevelt sense, based on the three R's of recovery, regulation, and redistribution, and the recovery based on very significantly increased public expenditure. Once again, you know, you find that the US government is doing a lot of these things for itself. It is not extending that generosity of... Ce n'est pas une générosité pour permettre à d'autres pays de faire cela, mais j'espère que c'est quelque chose qui va être changé. Et pourquoi est-ce qu'on doit tenir compte de cela? Parce que ça doit être vert et bleu. Je pense que l'eau est très importante à travers le monde on voit des développements, donc ce n'est pas simplement les défis climatiques, mais je pense qu'il est nécessaire de se focaliser sur l'eau. Ça doit être dévionné. On doit vraiment s'occuper du travail et de prendre soin des autres. Il faut reconnaître la réduction, la redistribution du travail des soins. Il y a quelqu'un ici qui nous a présenté à cela. Il faut aussi représenter ceux qui s'occupent des autres. Et cela doit être rouge. Cela doit réduire les inégalités qui on avait vu avant la pandémie, mais maintenant cela a dépassé toutes les limites. Donc les inégalités à l'accès, le revenu, accès à la nourriture, aux services publics, aux opportunités, bien sûr, puisque l'accès, il faut voir cela à travers différentes ethnicités, la race, le genre, l'âge. Il faut voir les inégalités sous toutes les perspectives. Et il faut une architecture au niveau international. J'ai déjà dépassé mon temps, mais je crois vraiment que nous avons besoin. To do what advanced countries are doing, that is through controlled and capital flow, controls on capital flows, through revised rules for trade and intellectual property rights, through tax cooperation, I've already mentioned that, through a new allocation of SDRs by 500 billion SDR, not dollars, so that would be $650 billion, and encouraging rich countries to share their allocation, which they're not going to use anyway, to share this, especially with highly indebted countries, and have a Marshall Plan for health recovery, a peace clause in the WTO, and a standstill on all the investments. Règlement des disputes qui empêche les pays de faire cela. Voilà ce que j'avais à dire et je vous remercie beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup.
Jaët, c'était vraiment très, très intéressant. Beaucoup d'informations. J'ai pu lire votre communication avant ce webinaire. Je dois dire à tous les participants qu'on va mettre à votre disposition la communication de Jaët. On va le mettre sur le site web de IDRC. Je pense que maintenant, c'est le moment est venu pour nous de passer à Diane Elsen pour un commentaire très bref sur ce que Madame le professeur vient de dire sur les priorités qu'elle a établies. Elle est professeur émérite à l'Université d'Essex. Elle est sociologue. Je pense que beaucoup d'entre nous la connaissent. Elle a donc fait intervenir la question du genre dans la réflexion économique. Merci beaucoup. J'appuie ce que Jaët vient de dire. Et je voudrais dire que revenir sur la question de la stratégie multicolore, nous devons adopter le couleur pourpre. Alors, pour dire un peu plus, je pense que la restructuration de la dette devrait être liée à une restructuration de la dette. Cela doit conduire à la comment on s'occupe des enfants, ce qu'on appelle les soins sociaux. Il faudrait avoir appuyé le budget, il faudrait avoir, on conçoit des femmes participent à l'élaboration des programmes et des femmes sont les prestataires des services. Les femmes sont majoritaires en ce qui concerne le soin des ménages et aussi elles sont des consommateurs des soins qui sont pourvus. Donc, c'est plans de recouvrement doivent impliquer les femmes. Les femmes doivent être des consultantes, doivent être. Il faut qu'il y ait des représentants du secteur privé. Alors, d'autres services de soins doivent être accessibles pour tous. Il faudrait une mise à niveau aussi des ceux qui s'occupent de nos soins, les travailleurs certaines de ces femmes ne sont pas rémunérées, ceux qui s'occupent, qui sont par exemple des assistantes sociales, et il faudrait que l'on puisse mieux s'occuper d'elles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cela pourrait se faire entre les pays et la communauté de l'allègement de la dette. Cela devrait refléter ce qui s'occupe des soins sociaux. Les femmes représentent à peu près 70% de cette main d'œuvre et devrait être impliquée dans la mise en œuvre de plans de recouvrement. Il y a des nouveaux emplois qui sont créés et cela réduit le fossé entre les genres. Et il faudrait également voir si on peut améliorer la productivité pour que les femmes puissent faire vaquer à d'autres
les composantes des points de adhésion pouvaient s'assurer que les enfants sont préparés pour aller à l'école. Donc, une productivité plus accrue, et cela va stimuler la production et va stimuler aussi l'emploi à travers l'économie avec des liens qui peuvent aussi renforcer les soins. De santé, les stratégies industrielles de soins de santé. Donc, si on se focalise sur les soins, on va s'adresser aux questions de l'égalité des genres, mais aussi on va avoir d'autres impacts sur la structure de l'économie, la production et l'emploi. J'espère que si on devait se focaliser sur le système des services de soins qui sont flexibles par rapport à la pandémie, cela pouvait intéresser un certain nombre des financiers tels que la Chine. La Chine a un vaccin, par exemple, qui pouvait avoir un impact positif si le système était là pour en assurer la distribution. Et pouvait, cela pouvait aussi être intéressant aussi pour les créanciers privés. Ces créanciers privés pouvaient peut-être parler tout haut de la façon de laquelle ils sont responsables de la perpétuation de la crise et de la pandémie dans les pays où de revenus réduits. Et donc, je me dis que vous ne pouvez pas promouvoir l'égalité des genres en vous limitant à des programmes accessibles à les femmes. Il faut penser de façon globale. Et là, j'essayais d'en parler un peu plus et vous dire à quel était donc ce secteur violé de ces arcs-en-ciel. Voilà, merci beaucoup. J'en ai fini. Thank you so much, Diane. Merci beaucoup, Diane, pour avoir mis en exergue ces priorités. Ça a été très, très bien dit. Et je voudrais maintenant encourager le public, les participants, à bien vouloir poser vos questions dans la boîte questions-réponses, ainsi que dans la boîte à dialogue. Après, les deux orateurs suivants, nous aurons le temps de répondre à un certain nombre de questions. Donc, maintenant, nous allons donner la parole à Jane Marriera, elle est directrice exécutive du partenariat pour la politique économique et les co-organisatrices de cette réunion. Et Jane, à vous la parole. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je vous remercie pour cette opportunité. Je vais donc partager mon écran. Je ne sais pas ce que je peux dire puisque je prends la parole après des orateurs très, très puissants. Alors, ce qu'on m'avait demandé, le sujet sur lequel on m'avait demandé de parler, ce n'est pas vraiment un commentaire sur ce que Jayanti vient de présenter, mais plutôt ce qu'on m'avait demandé, c'est de dire ce que nous faisons au sein de ces partenariats pour la politique et économique, comment nous prenons en compte l'égalité des genres dans notre modélisation macro, parce que cela aurait des implications sur des questions. Des questions fiscales, la dette dans les différents pays, ainsi de suite. Et je ne sais pas si vous pouvez voir mes transparents. Oui, oui, vous les voyez. Et donc, très rapidement, ce dont je vais parler, comme je l'ai dit tout d'abord, je vais vous dire ce que nous faisons, c'est qu'au niveau macro, la modélisation des genres au sein du PEP, et c'est dans l'approche d'analyse de la politique, nous utilisons le modèle informatisé d'équilibre général, et nous savons que ce modèle représente des laboratoires dans lesquels nous pouvons répliquer l'impact des politiques sur le secteur économique et la pauvreté. Nous savons que ce sont de ces secteurs-là que se concentrent les femmes, et c'est là que nous avons donc entendu dire de la part de notre panéliste liminaire. Et bien sûr, les modèles, nous devons suivre les canaux de transmission de la politique. On fait la différence entre les hommes et les femmes et nous essayons de montrer les dépassements ou l'effet multiplicateur à travers l'économie. Jayanti, on a déjà parlé de façon très claire. Et donc, ce que nous faisons au PAP, c'est de former nos chercheurs sur la façon de mettre en place ces modèles et de s'en servir de façon à ce que nous puissions avoir
une recherche qui tient compte du genre. Nous avons commencé cela au début des années 2000. Et au moment où le PEP a été mis en place, avant 2013, nous n'avions que quelques projets entre 3 et 4 qui étaient focalisés sur le genre. Mais depuis les deux ans passés, nous en avons fait davantage. Et actuellement, nous avons 15 projets qui sont en cours et qui sont disponibles sur notre website. Dans le passé, nous nous sommes focalisés sur la question de commerce, de l'agriculture, l'énergie et comment on pouvait relier les producteurs et la politique. Mais nous avons du travail maintenant qui se focalise sur le changement climatique, la COVID-19 et d'autres questions sur lesquelles nous aurons à parler. Alors, la question qui se pose, pourquoi le genre, pourquoi l'analyse macro du genre? Alors, Jayanti nous en a parlé, ce n'est pas la peine que j'y revienne, mais pour dire que pour poursuivre de là où il s'est arrêté, nous pouvons dire que la politique qui tient compte du genre peut aider tout d'abord à réduire la disparité entre les hommes et les femmes si elle est bien ciblée. Et cette politique aussi peut aider à minimiser, elle peut aider à appuyer la croissance économique actuelle et future est plus importante. Les coûts qui ont un rapport aux réponses de la politique aux gens pouvaient obliger les gouvernements à emprunter de l'argent de la part des gouvernements étrangers et de cette façon accumuler les dettes. Et en conclusion, l'analyse des politiques économiques en utilisant ces modèles qui tiennent compte du genre et de l'équilibre considère que les hommes et les femmes et l'intensité du travail homme-femme au centre même d'une économie, Jayanti vient d'en parler et très bien aussi. Alors, qu'est-ce que nous faisons actuellement au PEP? Alors, sans entrer dans les détails des programmes sur lesquels nous nous focalisons, ce que je voudrais dire, c'est que les problèmes sur lesquels nous faisons de la recherche ont un impact très important sur le genre ou montrent du doigt le genre. Et quand cela est lié à la dette, c'est parce que la plupart des gouvernements africains avec lesquels nous avons affaire et même les pays d'autres parties du monde où nous travaillons, c'est que ces questions impliquent l'utilisation du budget gouvernemental pour financer les subventions. Ça peut être la protection sociale, comme ça peut être d'autres formes des ciblages, les investissements publics, ainsi de suite. Et nos projets mettent en exergue la façon de laquelle la plupart des gouvernements africains n'ont pas suffisamment d'espace fiscal pour avoir des politiques délibérées pour cibler la question du genre. Et donc, cela va encourager les pays à emprunter et à augmenter de cette façon les dettes qui sont déjà très élevées dans la plupart de nos pays. Et là encore, Jayanti vient d'en parler. Donc, les priorités clés, même dans notre modélisation macro de ces modèles généraux des libre, c'est la question des données. Ce type de modèle a besoin des données désagrégées par genre. Par exemple, les comptes nationaux, la balance des paiements et les enquêtes du foyer macro et d'autres enquêtes de mesurage normalisées. La plupart de ces études existent dans les pays. Et là, nous avons un déficit, c'est donc apprendre à d'autres de nouvelles enquêtes. Et c'est là où nous devons nous concentrer. Et maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir? Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que peuple? Parce que nous faisons pour nous assurer que nous sommes en mesure de renforcer notre analyse des genres, dont la modélisation macro. C'est que nous sommes en train de développer le matériel pédagogique, mais nous sommes en train de les élargir. Nous avons le matériel sur la sensibilité des genres et aussi les cours virtuels où nous enseignons aux participants à la question de l'environnement qui sont liés à l'impact sur l'énergie, le carbone, les femmes et puis sur ces modèles généralisés, informatisés. Alors, nous voulons aller plus loin
et élargir ces modèles pour en analysant l'aspect formel et les marchés formels et informels, où nous savons que la plupart des femmes travaillent dans le marché informel, et aussi la représentation qui nous permet d'analyser la dette publique. Et comme je l'ai déjà dit, l'exigence des données, il faut des statistiques désagrégées par genre et les enquêtes sur l'utilisation du temps pour les enquêtes. Nous avons des bonnes données macro, mais les données qui peuvent nous permettre de nous pencher sur les femmes qui représentent le pourcentage le plus bas de la distribution des revenus n'existait pas. Et c'est comme ça que nous pouvons bénéficier de ces modèles. Voilà ce que je voulais partager, Madame la Présidente. Merci. Ah, merci beaucoup, Jane, pour être vraiment entrée dans les détails de savoir comment vous y prenez pour changer la politique. Et je pense que c'est en utilisant ce type d'outils que vous avez développé et en allant de l'avant, c'est de cette façon que nous allons pouvoir avoir le plaidoyer, les connaissances, la connaissance de pouvoir changer les points d'avis des décideurs. Donc, vraiment un travail fantastique que vous faites. Et je voudrais maintenant vous présenter notre dernier orateur du jour, Andrew Hurst. Lui, il fait partie de l'équipe Canada, il est dans les affaires globales du Canada. Andrew, autrefois, était dans le CRD, il était dans le groupe de réflexion, mais il est directeur de la croissance internationale et des institutions internationales dans les affaires globales à Ottawa. Voilà, donc, il serait bon d'entendre ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre aujourd'hui à vous. La parole à M. Hasta. Merci beaucoup, Erin, et merci aussi pour m'avoir invité. C'est vraiment un honneur de faire partie de ces panels et je vais essayer de parler, d'adresser un certain nombre de questions de mon point de vue au sein de la bureaucratie. Mais avant de. Quelques petits commentaires avant de me lancer dans ma présentation. Tout d'abord, je dois dire que je dois reconnaître le fait que, avec. Les collègues financiers, c'est eux qui sont impliqués dans le FMI et qui traitent de la question de la dette en particulier, mais ma responsabilité, c'est de parler des politiques de développement et des systèmes internationaux et le lien. Et c'est de cette perspective que je vais donc parler. Et aussi, plus généralement, basé sur mon expérience en tant que décideur, j'ai pu être impliqué dans un certain nombre de ces questions. Voilà, donc, je vais faire trois commentaires d'ordre général et pour commencer. Et trois commentaires sur la façon de laquelle nous allons aller de là où nous sommes jusqu'à là où nous voulons en arriver. La première chose, c'est bien sûr de reconnaître, de confirmer beaucoup de choses qui ont déjà été dites par les autres panélistes, on sait qu'il y a de la situation critique dans laquelle la pandémie nous a jetés, on sait qu'il y a de l'égalité des genres et la distribution inégale, par exemple, du travail de soins sur les femmes et les filles en particulier. Et c'est une chose que nous comprenons très bien. Et bien sûr, nous essayons de trouver des voies et moyens autant que possible de vous adresser à un certain nombre de ces questions et le Canada aide à réagir à la pandémie au niveau international. Et je dois dire que, bien sûr, la façon de laquelle l'impact se fait sentir est lié à d'autres aspects de l'identité, de la marginalisation dont il a déjà été question. Je me dis qu'il est important de savoir cela parce que beaucoup de personnes qui font partie de ces communautés sont des groupes qui ne font pas partie du système de protection sociale, qui ne font pas partie du dialogue politique pour différentes raisons. Et donc, le Canada est au cours de cela. Nous avons un système d'assistance de développement et donc il y a un engagement explicite dans notre mandat de trouver des moyens de payer ceux qui s'occupent des autres à le travail et il y a une personne qui s'en occupe.
Et juste pour dire, pour faire la publicité, nous avons un événement avec Oxfam qui fait partie des réunions du printemps de la Banque mondiale le 13 avril pour essayer de voir les façons d'investir dans l'économie des soins. Et cela fait partie de la pandémie si vous allez participer dans ces réunions-là. D'autres panélistes ont dit que la question de la dette telle qu'elle se présente actuellement est peut-être une chose dont il faudra tenir compte et qui complique la situation, c'est de savoir que c'est une situation différente. Cette fois-ci, le nombre de créanciers est très différent par rapport à la dernière fois où nous avons eu une conversation sur la restructuration de la dette. Et ceci, dans les années 2000, il y a eu beaucoup de marchés émergents et d'autres pays qui sont maintenant des créanciers. Et cela veut dire que les structures traditionnelles pour avoir ces conversations ne sont plus valides. Nous avons eu un pourcentage des créanciers privés. Et en ce qui est de l'exposition à la dette de certains de ces pays-là. Et tout cela fait que quand on négocie, est devenu plus difficile. Il y a des questions de la transparence. Je sais combien il y a manque de transparence. Et malheureusement, cela a déterminé la façon dont laquelle nous pouvons parler de cette question et la dette. Autre défi, bien sûr, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'il y ait un cas, ce n'est ouvert qu'aux pays aux revenus réduits. Et beaucoup de pays aux revenus moyens n'ont pas la possibilité. Ces discussions ont lieu au sein du G20. Vous savez que le G20 n'inclut pas les pays endettés. Et c'est pour cela que le Canada, avec sa tête, notre premier ministre, a essayé de convoquer en collaboration avec le président de la Jamaïque et les Nations Unies une séance sur le financement pour le développement dans le contexte de la COVID et enfin de permettre à ce que la conversation sur cette question puisse se faire. Le dernier commentaire, bien sûr, le genre fait partie, le Canada et beaucoup d'autres pays ont insisté là-dessus lors des EFI depuis un certain nombre des bailleurs. Et il y a eu des adoptions de la politique de genre et les politiques ainsi de suite. Le genre a été accepté. Nous continuons à pousser pour l'inclusion du genre, mais je veux dire que cela n'est pas suffisant. Et donc, je me dis que la chose principale que peut-être nous voudrions savoir aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons en arriver là où nous en sommes, où nous voulons arriver de là où nous en sommes, et quels sont les défis alors, la première chose, j'aurais trois commentaires à faire. Tout d'abord, il y a un rôle pour chaque chercheur pour nous aider à comprendre cela. Comment est-ce que nous pouvons aller au-delà des efforts pour que les institutions puissent inclure le genre dans leur stratégie, dans la politique? On a parlé des conditionnalités en ce qui est de la politique. Et si c'est quelque chose sur laquelle nous devons insister, je n'en sais rien. Mais de mon point de vue, il y a quand même des risques dans cela. Et une des raisons pour laquelle c'est qu'un certain nombre se sont tournés vers d'autres sources de crédit. Et c'est parce que les conditions qui ont été imposées avec la politique, la Banque mondiale sur la gouvernance sociale et les conditionnalités, c'est vraiment problématique de mon point de vue. Il y a aussi la question de savoir comment ces institutions mettent en application la politique. Et nous savons que la plupart des institutions ont des départements qui portent sur le genre et ils doivent avoir des données sur le genre.
et ils doivent faciliter le partage des connaissances pour aider d'autres institutions à tenir compte du genre dans leurs opérations, qu'il y ait qu'il s'agisse de la politique ou de l'assistance technique. Et est-ce que c'est la façon la plus efficace? Et puis le rôle de l'économie, des économistes, et je pense qu'il est nécessaire de savoir qui sont les personnes qui sont dans ces institutions. Mais je respecte les économistes, mais il faut peut-être inclure des spécialistes d'autres disciplines qui pouvaient peut-être jeter une différente lumière dans ces institutions et sur ces problèmes. Autre chose, c'est que l'économie politique au niveau international, les pays du Sud, bien sûr, il n'y a que très peu que ces institutions peuvent faire. Et bien sûr, il y a un rôle pour les gouvernements à jouer, qu'ils doivent s'approprier un certain nombre de ces problèmes. Ils ne peuvent pas faire cela sans qu'il y ait pression de la part des communautés au sein des pays et de la part aussi de la société civile. Le Canada investit et a aussi investi beaucoup de ressources depuis un certain nombre d'années dans les questions des femmes. Reste à voir si vraiment cela a eu beaucoup d'impact dans le court terme. Bien sûr, c'est quelque chose dans laquelle il faudra donner davantage d'appui et dans les différentes coalitions qui travaillent dans ce domaine. Ce sera intéressant à voir ce qui va se faire. Et il y a un autre commentaire sur les perspectives d'avenir. Je vais adresser la question de recherche. Cette année, en particulier, il y a eu l'accent mis sur le climat. COP26 va se faire d'ici peu. Et en tenant compte de ce qui s'est passé avec COP16, ma préoccupation, c'est que quand on essaie de s'adresser à toutes ces questions, la question du jour, c'est faire là-dedans. Donc, je pense qu'il y a un rôle pour la communauté de recherche et aussi le plaidoyer au niveau de la société civile de travailler en commun pour essayer de voir comment nous pouvons arriver à des solutions qui peuvent investir dans l'économie des soins et comment on peut, mais en même temps avoir un impact sur le programme climatique. Nous avons eu des voix dans les États-Unis. Il y a un certain nombre de voix dans les pays du Sud, mais nous n'avons pas besoin de ces voix qu'au niveau, au niveau national. Nous avons besoin de ces au niveau global du Sud. Et la communauté internationale doit penser que ces voix-là, que la communauté de recherche doit se faire entendre dans ces communautés internationales. Et vraiment, ça me fait plaisir que le CRDI fait cela. Je m'en arrête là parce que je pense que j'ai déjà épuisé mon temps, mais je me réjouis de continuer le dialogue sur ces questions très importantes. Merci. Merci beaucoup, Andrew. Ça fait plaisir de vous revoir après tant de temps. Et merci pour avoir parlé de l'événement qui va se faire le 13 avec Oxfam. Le CRDI fera partie aussi de cela. Ça sera très intéressant, un débat très intéressant sans doute. Mais j'ai un certain nombre de questions qui ont été posées. Une question qui est assez longue, je vais la lire. Je ne sais pas. Je vais lire la question. Tout va très bien et je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais c'est au niveau Macron. Et on sait la question de pouvoir survivre, c'est un problème au fond. Quelles sont les mesures sectorielles qui pouvaient permettre aux femmes d'avoir accès aux finances et à des réseaux de microfinancement, bien sûr, si on a un système qui responsabilise les femmes, l'exigence des collatéraux pour avoir des prêts que les hommes qui sont des entrepreneurs réussis dans différents pays doivent faciliter l'accès aux femmes et les femmes qui ont besoin des compétences. Il faut faciliter l'emploi et le revenu pour que il faut avoir des efforts macro généraux. Jayanti, est-ce que vous voulez essayer de répondre à cette question? Oui, bien sûr.
Écoutez, je suis complètement d'accord avec cela, mais je pense que le problème, c'est que les gens se focalisent sur les initiatives Macron parce que c'est plus facile de parler de cela. Pas de mettre en action, mais d'en parler. Mais la question serait, c'est le phénomène Macron. Et est-ce que on a la possibilité le problème de Macron son pire, nous nous sommes concentrés sur le micro. C'est ça les arguments, la question de pouvoir survivre financièrement, et cela a besoin d'une réponse au niveau politique. Et je pense que la question la plus importante doit savoir comment est-ce qu'on va aller de l'avant. Et bien sûr, nous devons faire tenir compte des compétences qui est de la propriété, accès aux compétences, ainsi de suite, le collatéral pour des prêts, ainsi de suite. Mais si vous pourriez minimiser les dépenses sur les questions, si vous ne mettez pas en exergue les dépenses pour aller soit vous n'allez pas résoudre ces problèmes-là en donnant un meilleur accès au collatéral. Donc, une réponse, Andrew, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. On sait qu'il y a des conditionnalités sur la gouvernance, cela peut être un problème. Donc, il faut penser aux conditionnalités. Je pense que c'est pour ça que cela est important que nous nous focalisions sur les conditionnalités qui créent des problèmes. Ce n'est pas à cause de la gouvernance que les gens se sont tournés vers la Chine. Et c'est parce qu'ils demandent la réduction des dépenses dans des domaines importants. Ils mettent l'accent sur l'austérité, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et il y avait une autre question qui... adressé à Diane et à Diane. Si vous pouvez donner quelques exemples des actions dans le domaine violet, comment on peut les appuyer? Diane, est-ce que vous pouvez essayer de répondre à cette question? Non, je me dis que dans différentes parties du monde, il y a un certain nombre des organisations des femmes et des économistes féministes qui travaillent spécifiquement sur ces problèmes. Comment est-ce que nous pouvons avoir un recouvrement qui tient compte des services de soins, de quel type d'économie? Est-ce que nous avons pas simplement la somme globale dont nous avons à laquelle nous avons accès, quel type d'emploi, comment est-ce que les gens qui ont besoin de ces services, quelle réaction on va avoir envers les gens qui vont utiliser ces services? Oui, il faut savoir de quoi pourrait avoir l'air le couvrement à Hawaï et l'État de Hawaï en Angleterre. Nous essayons de dire le couvrement avec les services de soins à la tête serait-il adéquat? Il faut estimer l'emploi qui serait créé par rapport à ce qui est dépensé, par exemple, pour la construction. Il faut avoir une évaluation des missions, des émissions, par exemple, qui viennent des services de soins par rapport à celles qui viennent de la construction. On y pense en Inde, on y pense à cela, en Afrique, comment? Voilà, je me dis que tout cela s'adresse à la question de savoir où en sommes-nous aujourd'hui, où est-ce que nous voulons en arriver, parce que maintenant, nous nous trouvons dans une crise sanitaire très importante qui est compliquée par une crise économique, mais ça a commencé avec une crise sanitaire qui nous a frappé si dur, parce qu'il avait eu sous-investissement dans les services de santé et d'autres services de soins à travers le monde. Et l'investissement qui avait été fait ne s'adressait qu'aux besoins des riches qui pouvaient se payer du soin privé. La plupart de la population n'avait pas été inclus et avait très peu d'accès aux services de qualité. Voilà, c'est bon de nous focaliser là-dessus parce qu'essentiellement, et je parle du pays où nous sommes, ça marche très bien, le vaccin, mais cela ne va pas nous aider si le reste du monde n'est pas vacciné. Et le reste du monde ne va pas pouvoir être vacciné. Par le fait même d'avoir les vaccins, il faut qu'il y ait des systèmes pour distribuer ces vaccins et de pouvoir donner les soins dont on a besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions, d'initiatives qu'on peut prendre. Mais je sais aussi que
ça reste qu'il faut, encourager le gouvernement à comprendre cela, parce que quand ils pensent au recouvrement, construire à mieux, ils pensent construire à littéralement, ils pensent, ça veut dire des sites à construction partout dans le monde et beaucoup d'autoroutes, mais peut-être ils pensent aussi à des panels d'énergie solaire ou du vent, mais il faut compter à l'éducation, les soins des enfants, c'est là aussi constitue un investissement. Il faudra qu'on fasse comprendre, c'est là que l'investissement a un impact sur l'emploi et le potentiel et le bien-être, qu'on ne doit pas penser. C'est pas la façon de la consommation, tout simplement. Nous avons changé la façon de catégoriser les dépenses publiques. Et je pense que c'est dépassé de penser que quand on dépense son salaire sur les soins, les services des soins, ce n'est pas simplement une consommation, c'est un investissement que la construction d'un hôpital nucléaire, ainsi de suite. Et donc, il faudra réfléchir sur ces idées la commission sur l'état de la femme à New York ont organisé des webinaires et ils ont dit comment les gens ont parlé de cette idée. Mais je pense que c'est là il y a le potentiel. Parce que c'est pas spécifique aux femmes, parce que ce ne sont pas les soins pour les femmes, les soins pour les filles, mais il faut penser cela du point de vue sectoriel. C'est tout un secteur d'activité dans lequel on doit investir d'une façon ou d'une autre et qui peut avoir des bénéfices pour tout le monde. Merci beaucoup. Ça demande un changement Je suis pleine d'espoir à moi-même. Je ne sais pas, Dayati, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'ai une question pour Jane après cela. Très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec Diane. Je voulais parler de l'Inde. On a des conditions assez intéressantes et on a un gouvernement très centralisé. Il faudrait orienter l'action l'action publique et le reste vers le soin, s'occuper des êtres humains. Et je pense que c'est une chose intéressante. Je crois qu'il y a une question sur l'environnement. On cherche à lier cela à l'environnement, c'est-à-dire le changement climatique et la pollution. Je crois qu'il est possible de faire cela. Très bien, merci. Alors, Jane, peut-être que vous pourriez donner des exemples de la façon dont de telles recherches, les recherches dont vous avez parlé, est-ce que ces recherches ont eu un impact sur la base de votre expérience, ou bien dire qu'est-ce qui a été publié sur ces outils que vous avez élaborés et vous utilisez, où est-ce qu'on peut les trouver? Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous les orateurs pour leur réponse. Alors, pour abonder dans le même sens que les deux autres oratrices, il y a quelqu'un qui dit sur le chat que on attache la priorité aux questions des femmes. Lors, pendant des périodes normales, économiquement parlant, je pense que les gouvernements font de leur mieux, mais il faut reconnaître le fait que nous n'avons pas eu affaire à une pandémie dans le passé récent. Je pense que la question qui se pose, est-ce qu'on doit prioriser la santé,
l'éducation ou bien l'économie de soins. Je crois que lorsque les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les femmes doivent trouver les voies et moyens de s'occuper de ces enfants et les enfants ne sont pas productifs. Lorsque les hommes doivent rester à la maison, ce sont les femmes qui souffrent. Cela dit, le travail que nous avons fait par rapport à l'analyse macroéconomique et la plupart, la grande partie de ce travail est un travail en cours et je crois que c'est parce que nous n'avons pas pu faire du progrès parce qu'il manquait les données désagrégées du point de vue du genre. Ceux qui sont intéressés pourraient visiter notre site web et nous appelons cela et le programme MBIE. Vous allez y trouver des exemples des travaux que nous avons effectués au passé et l'impact sur la politique. Il y a d'autres qui sont en cours et il y a des travaux sur le COVID et c'est le CRDI qui nous appuie et ces travaux ont commencé l'année dernière et nous espérons que cela va avoir un impact sur la politique. Et nous pensons avoir des simulations macroéconomiques pour avoir pour savoir ce qu'on peut faire pour la reprise économique après la pandémie du COVID-19. Nous avons évalué l'impact de certaines politiques dans 6 pays africains et cela pendant cette période de la pandémie. Nous pensons pouvoir terminer ce travail vers la fin de l'année. Il y a un nouveau travail qui a commencé et nous allons examiner l'impact distributif du changement climatique sur les femmes et les jeunes filles. Mais fondamentalement, nous avons tout sur le site web nous montrant comment les projets, quel impact ces projets ont un impact la politique et nous pensons que les travaux que nous avons faits ont eu cet impact sur la politique. Merci. Merci beaucoup, Jane. Vous avez dressé une liste assez longue de choses que vous faites. Mais une des questions que je vois, même pendant que vous parliez, Jane, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer la voix de la femme au niveau des différentes agences? Il me semble que la préoccupation avec la question de la dette et le fardeau de la dette, c'est un dialogue qui est guidé par les pays du Nord en ce moment. Comment est-ce qu'on peut changer cela et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Peut-être, Jane, vous pouvez répondre à cela et je donnerai la parole à Jayat et à Diane après. Nous n'avons pas fait beaucoup de travail sur la dette, mais nous travaillons dans la macroéconomie en général, les femmes comme agents. Je pense qu'il s'agit des secteurs où il y a une concentration de femmes. Je crois que si nous pouvons faire en sorte que là où il y a un espace fiscal, nous pouvons cibler ces secteurs, notamment pendant cette période de la pandémie, parce que nous avons
un stimulus économique. Et il ne faut pas qu'il s'agisse de l'économie des soins. La plupart des pays africains, peut-être les pays de l'Occident également, lorsque dans la situation de la pandémie, on est obligé de fermer les écoles dans le système de l'école privée pendant 7 mois. Ces femmes qui étaient professeurs ou instituteurs dans les écoles privées, ils n'ont pas touché de salaire. Même le domaine du tourisme, la plupart des prestataires de services sont les femmes et ont donc été affectées par la pandémie. Elles ont perdu leur emploi. Donc, nous allons cibler ces secteurs pour voir comment les femmes s'occupent de leur famille. Alors elles peuvent peut-être s'occuper de leurs enfants. Mais sur la question de la dette, je pense que c'est Jayati qui peut répondre à cela. Lorsque nos économies pensent aux secteurs sur lesquels on doit mettre l'accent pour les programmes économiques, la question qui se pose, c'est si nos pays doivent être sensibilisés pour examiner de près les secteurs qui ont une concentration de femmes. Peut-être que lorsqu'il s'agira de faire une étude plus générale, nous allons parler de cela au niveau national. Nous pouvons examiner le secteur financier, comment appuyer ce secteur, l'éthique et le secteur manufacturier. Ce sont les secteurs qui n'en comptent pas beaucoup de femmes. Voilà ce que je peux dire. Jayati, je m'excuse. Je voudrais enchaîner. Je dois être honnête. La sensibilisation sur la question de la femme, ça ne doit pas se présenter sous forme de projet. Je ne pensais pas pourquoi est-ce qu'on parle de l'allègement de la dette. C'est parce qu'il s'agit d'un projet des pays du Nord. C'est pour cela que nous parlons de cela. Je dirais que si le Nord veut aider en ce qui concerne la pandémie et aider les femmes, la première chose qu'ils doivent faire, tous les citoyens du Canada, des USA, c'est de produire les vaccins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait mettre fin de permettre à tout qui le peut de produire les vaccins. Je pense qu'il y a désespoir dans les USA. C'est une chose obscène. Et il n'y a pas de... On ne se plaint pas dans le monde du Nord. Je crois qu'il faudrait veiller à ce que les gouvernements des censures en ce qui concerne les droits de propriété au niveau de l'OMC. Il ne faudrait pas détenir les vaccins, mais j'en ai marre de cette question qui consiste à dire on va aider les femmes du monde en voie de développement, mais ce n'est pas accompagné d'actions concrètes. Diane, je voudrais vous donner la parole pour un mot rapide et puis je donnerai à Andre. Nous avons les G7, nous avons le précédent
de G7. Je pense que la restructuration de la dette devrait jouer un rôle crucial dans tout ce qui se fait. Il y a une organisation qui s'appelle le W7 qui regroupe les femmes non seulement du Nord, mais aussi du Sud. Et donc, on cherche à exercer une pression sur ce qui se fait au niveau des G7. Alors, il y a des mouvements, des ONG en Royaume-Uni. Nous travaillons avec les organisations de la femme pour nous pencher sur ces questions qui figurent à l'ordre du jour des G7. Comment est-ce que nous, dans le Nord, peuvent veiller à ce qu'il y ait un espace fiscal plus important. Nous allons transmettre ce message au G7. Andrew, est-ce que vous avez des commentaires? Deux choses. Je m'excuse, ma connexion n'était pas très bonne. Je vous comprends très bien sur la question du vaccin. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup ici au Canada. Deuxième chose sur la question de la dette. Sur le plan international, c'est un défi important. Alors, c'est une question très complexe avec les types de créditeurs auxquels nous avons affaire. Je pense qu'il sera très difficile de restructurer la dette aujourd'hui. Je pense que ceux qui sont impliqués dans ces efforts, ce n'est pas tout. Je pense qu'il faudra faire les choses autrement cette fois. Merci beaucoup. Je remercie tous les panélistes d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Je pense que ça a été un débat très merveilleux. Nous avons pu entendre des choses très intéressantes. Je pense qu'il est difficile de résumer l'information. Je pense qu'on ne peut trop souligner la question de la nécessité d'avoir une action mondiale. Je pense que cela a été dit par Paveya mardi, que le Nord doit faire quelque chose pour les autres, donner aux autres ce qui se donne à eux-mêmes. Deuxième chose, la question de savoir si une crise est une occasion pour faire quelque chose. Il faudrait que ce qui se fait soit le plus inclusif possible. Et la question du genre, nous allons voir ce qui comment nous allons construire le G5. Nous avons différents niveaux de politique au niveau national ainsi qu'au niveau sous-national. Il n'y a pas de recettes pour l'allègement de la dette. Je pense que nous allons partager nos réflexions avec les décideurs politiques. Ceci va être publié et le débat continue. J'espère avec vous tous, nous allons impliquer d'autres acteurs dans le Sud pour que nous puissions tirer des enseignements et que les outils et les méthodologies soient compris.
Je voudrais sur ce remercier tous les orateurs et tous ceux qui ont fait partie de l'audience et je vous souhaite un bon après-midi ou un bonsoir, une bonne soirée. Merci et au revoir.